Le coach m'a snobé. Il m'a rentré en début de quatrième carton. Je me suis dit, je vais avoir un rôle. Que dalle. Que dalle. What's up boys, j'espère que vous allez bien, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle vidéo NBA 2K et on est reparti. J'avais grave la rage parce que mes deux premiers matchs en carrière n'ont pas été enregistrés sur mon PC, je suis dégoûté. Du coup c'est pas grave, on va continuer notre début de saison. Bon vous avez vu, il a fallu que quelques jours pour que ma barbe pousse. Là, on commence à redevenir barbu petit à petit et c'est parti. On va aller jouer les Raptors, ils ont une sacrée équipe. Je crois que mon vis-à-vis ça va être Fred VanVleet et Kyle Lowry. On va voir, dans tous les cas on est toujours remplaçant. Donc on va prendre notre mal en patience sur le banc et on va essayer de tout donner sur le terrain. On va essayer de montrer à Clifford qu'on mérite notre place dans le 5. Surtout qu'il n'y a pas une énorme concurrence, DJ Augustine, Markel Fultz. On verra ce que ça donne. Ça fait plaisir d'être en NBA. Vous en rappelez? Quand on était à la Draft Combine, vous en rappelez? Quand on était en train de jouer avec les meilleurs prospects du lycée. Là on est sur le parquet au Canada des Raptors. Et on pull up à 3 points, on les met pas mais bon c'est pas grave. Scotia Bank Arena qui est très chaude hein, apparemment. Les supporters des Raptors sont très chauds en vrai. Bon maintenant on le sait, c'est Markel Fultz qui est dans le 5. Donc on va devoir passer devant, c'est parti, on va voir quand on rentre. Fred VanVleet, 19-17, ça va. Voilà, on commence avec une passe D. Super. D'ailleurs mon Bamba j'étais déçu parce que c'était l'un de mes favoris quand il avait été drafté. Je voulais trop qu'il pète en NBA. Et malheureusement il a toujours pas step up. Ouais, je suis en train de parler et je défends pas. Je crois que ça va pas être la même chose, hein, la défense tout terrain. Hein. On est plus sur des lycéens, on est plus sur des rookies. Premier pull-up? Nope. C'est raté encore une fois. Bon, je pense que je les ressens, mes 70 de général. Hein. On va faire la passe. Super! On est dessus. Est-ce qu'on a un système? Floppy. Let's go, floppy, les gars. Floppy. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ok. C'est quoi la suite du système? Ouh. Ok, Mo. Par contre, il n'y avait pas la suite du système. C'était quoi? Je devais jouer le 1 contre 1 et personne qui s'était écarté. Pas de stretch, rien. Ok. Je suis là. Ah, c'est dur, hein. Je vous jure, c'est dur, hein. Je suis seul. C'est un cauchemar les gars, c'est un cauchemar. Je sais qu'on est au Canada, je sais qu'il fait froid, mais bon, y a rien qui rentre. Voilà, enfin, le premier panier. Je crois que mes stats de tir, il va falloir que je les améliore le plus rapidement possible. Hein. Sinon ça va pas être jouable. 30-25, on est devant. Mon plus minus, je pense qu'il doit pas être mauvais. On va voir si le coach a apprécié notre premier carton. Il nous fait rentrer quand? Bon, ça va, mi-carton. Kyle Lowry, ça va pas être la même paire de manches. Hein. Hey, step back. Je t'ai vu, gars. Yeah. Ça fait plaisir. On a la vista. Yes. Ça fait plaisir. J'ai juste mis un panier sur la tête, ça commence à tweeter là. Calmez-vous les fans. Bon les gars, si vous me laissez y aller, je vais y aller. Hein. Arwan, let's go. Je vais baisser ma caméra là parce qu'elle était trop grande. Désolé. En tout cas, il y a un head one, ça fait plaisir. On a gardé les bonnes habitudes. Ouh, ça vibre. Allez, yes. 8.3 rebonds. C'est pas dégueu. On a toujours notre ami Kyle Lowry. On flotte. Ça vient pas sur moi? Eh ben écoute, on va terminer près du cerf. Ah, je suis trop en retard. Heureusement qu'il le met pas. C'est les champions en titre, hein, Toronto. On n'est pas dégueu contre les champions en titre. Qui ont sorti Orlando d'ailleurs au premier tour des playoffs 2019. Don. Voilà. Il met du temps. Yes. Double digit, les gars. On passe les 10 points. Coince-le. Ok. Bruh, look at this dude. Il me dit pas de changer, moi je change pas. Hein. Contre-attaque, à qui on peut la mettre? Allez! Bon, Bamba, faut que t'ailles à la muscu, mon gars. Tu réussisses à mettre ça. Hein. C'est la mi-temps. Franchement, c'est pas trop mal. On a commencé un petit peu en galère. Là, on commence à rentrer dans le match. Ça fait plaisir. C'est la NBA, c'est normal. Hein. C'est le temps de s'acclimater, de s'habituer. En tout cas, la plus grosse galère que j'ai pour l'instant, c'est en défense. Je pensais que j'allais pouvoir lockdown et être sur du tout-terrain tout le temps. Et c'est pas le cas. Ok, on a du temps de jeu dans le troisième quart-temps. Ça fait plaisir. On est toujours devant. Il a sauté. Ah, dommage gros, faut mettre dedans.
Nope. Oh, come on, bro. Les lancer. Ok, allez, allez, défense, 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 défense. Y'a qu'un point, hein. No! Oh, mais c'est pour moi le rebond là. Yes, je vous avoue que j'y croyais pas trop au début, mais bon, on a quand même lâché la balle. Contre-attaque. Allez Gordon, s'il te plaît. C'était le premier qu'il fallait mettre. J'ai pas ma passe D. Le mec qui est là que pour les stats, tu vois. Que pour les stats. Je le sais, vous le savez, on le sait tous, que cette passe était quand même importante. Franchement, c'est là où tu te rends compte qu'un Doncic, le mec il arrive en NBA, quasiment 20 points de moyenne la première saison, c'est ouf quand même. Hein. T'arrives dans une nouvelle ligue contre des nouveaux gars. Yes sir, for free. C'est la fin du troisième carton. On enchaîne avec le dernier. J'espère avoir du temps de jeu. Les gars, on est en début de quatrième carton. Ça fait plaisir. Erwan, oh là là. Van Vliet. En plus, je sors. Mais j'ai rien fait. J'ai même pas touché de balle. C'est fini. Oh, puis on perd le match. Oh les gars, j'ai la rage. Le coach m'a snobé. Il m'a rentré en début de quatrième carton. Je me suis dit, je vais avoir un rôle. Que dalle. Que dalle. Bon, c'est pas grave. On range notre frustration. Dans tous les cas, c'est normal. C'est le début de la saison NBA. On est rookie. On va prendre le temps petit à petit, même si on fait partie du premier tour. On va prendre notre mal en patience et puis on verra sur les prochains matchs. Du coup, on termine l'une de nos entrées en matière en NBA avec 16 points, 2 rebonds, 4 passes décisives. C'est plutôt pas mal. J'aurais peut-être aimé faire un peu plus de passes. Mais bon, on va enchaîner sur un deuxième match. On va essayer de pouvoir montrer au coach encore notre envie, notre arme sur le terrain. C'est parti. Let's go, let's go. Lui, RJ Barrett, il est dans le 5. Hein. Allez, on est parti. On va voir quand il nous fait rentrer. On peut pas perdre contre Linux. On peut pas perdre contre Linux. C'est pas possible. Yeah, bien joué, les gars. Fini, s'il te plaît. Merci. Nilkinak était tout seul en défense. Parce que là, je suis en train de me poser la question. Y'a qui? Y'a qui chez Linux? Nilkina, Trier, Portis, Gibson. Y'a personne. Ils ont aucune star. Oh, Frankie Cross, Aminouki en défense. Oh, ils sont dessus à deux. Je suis dessus, là. Voilà. Un contre toi, j'y vais ou pas? Allez. Bien joué, bonne coupe. Bonne coupe, DJ. Got you, bro. Non, faut pas changer. Pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu veux changer? Voilà ce que ça apporte de changer, Aminou. Voilà, yes. Yes. On l'a poussé en touche avec notre gabarit, on est gainé, on a dit. Eh ben, je fais une bonne action, je me fais sortir. Ok, pas de soucis. Deuxième carton, on a Elfrid Payton. Ok, pas de soucis, on est devant. Change. Mais pourquoi? Marquer le foot, mon gars, ça va mal se passer entre nous. Hein. Allez, avec le rebond, on y va. Dommage. On respire. J'ai envie de mettre la CB là, je vous jure, j'ai envie de la mettre. Mais je veux pas la mettre. Yes. 42-46. On est devant. Allez, je suis au rebond. Super. Bamba, c'est pour toi. Bamba. Aïe aïe aïe, Bamba. Bamba, je l'aime bien en plus. C'était l'un de mes joueurs préférés lorsqu'il avait été présenté à la draft. Je pensais que c'était l'un des prospects avec le plus de potentiel. Bien joué. Super ça, super. On essaie de tenir la défense, on essaye. On est là. Allez, Bamba. Super ça. Gordon, il fait des bons déplacements. J'arrive à le trouver dans les intervalles. Faute. J'ai tenté le Eurostep. On a poussé RJ Barrett à la faute. Maintenant, faut qu'on les mette. Nope. Oh, la barre est full. Yes. La frustration d'avoir 62 gènes. 70 du coup. Oh, interception. Dunk. Yes. Les efforts sont récompensés, les gars. Les efforts sont récompensés. Au rebond.
et j'espère à la passe. Bamba, s'il te plaît. Merci. Il va en avoir cette année des ballons, Bamba. Allez, au dunk. Ok, layup. Quelle défense encore une fois. Je suis assez content de ma première mi-temps. On a fait le taf en défense, sur les passes D, on a 4 rebonds, 12 points. On espère qu'on va pouvoir transformer les efforts qu'on a fait en première mi-temps dans la deuxième et surtout gagner le match. C'est le plus important. J'ai oublié de le voir, mais on a fait un gros gros run durant le troisième quart-temps. J'étais sur le banc. Allez, dunk. Ouh, layback. Allez, hoop. Je fais une passe d'aller hoop, sans vous mentir. Gordon, la valeur sûre de l'équipe. New York est en PLS. Ok, je change. Il me dit change, il change pas. Bruh. Oh, c'était pas à lui que je voulais la faire. My bad, my bad, my bad, my bad. Juste me fais pas sortir, s'il te plaît. Merci. C'est encore moi, la passe du game. Merci. Merci, Touquet. Quatrième carton. Ok, bon bah pas de quatrième carton alors. Bon, du coup ça fait plaisir, on gagne le match. L'un de nos premiers en NBA. On termine avec 16 points, 6 rebonds, 7 passes. C'est plutôt pas mal, on va pouvoir viser les triples doubles. Je pense quand on va commencer à s'améliorer. Alors au niveau des insignes, j'ai une insigne à améliorer en défense. Et j'ai une insigne à améliorer au niveau de l'organisation. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les insignes qui selon vous sont les meilleurs au niveau de l'organisation, au niveau de la défense. Je vais pas les faire tout de suite, j'attendrai votre retour avant de les faire. Du coup on a fait l'un de nos deux premiers matchs en carrière NBA, je vous avoue que c'est pas facile, surtout en défense. On va essayer de s'améliorer petit à petit. Je suis un peu frustré parfois par mes coéquipiers, notamment Mo Bamba, je pense que vous avez dû le voir. Je vais essayer d'améliorer mon joueur en fonction des remarques que vous émettez dans les commentaires, c'est hyper important. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à 1000 likes, je balancerai le quatrième épisode de ma carrière. On va continuer les matchs petit à petit, on va signer des contrats, peut-être avec Nike, Adidas, Puma, Under Armour. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo NBA 2K. Prenez soin de vous. Bang.